Salut à tous, c'est Saran, je suis avec Sanda. Et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle ouverture. Alors c'est la première vidéo où on va vous annoncer quelque chose. Vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur la chaîne mardi, qu'il n'y en avait pas eu mercredi. Alors pour la simple et bonne raison que le disque dur de la S-Family a crashé. Donc mon disque dur en fait, hein, parce que c'est moi qui monte sur mon PC la plupart des vidéos. Donc il y a bien eu la vidéo de vendredi, le let's play de Rick et Morty, parce que ça avait été tourné à l'avance et ça avait été sauvegardé sur un autre disque dur comme par hasard. Donc on a eu pas mal de chance. C'est déjà ça exactement. Par contre les vidéos qu'on avait fait d'avance, c'est-à-dire là l'ouverture, on l'avait fait d'avance, on avait même fait une vidéo de pop d'avance, faudrait la retourner aussi du coup, bah une autre. On avait fait tout ça d'avance et ça a été perdu dans les méandres du disque dur, dans le code binaire foutu à jamais. Le problème de PC a été résolu, tout a été formaté, tout a été refait à neuf, il n'y a pas de souci, mais du coup tout ce qui est miniature, habillage, tout a été perdu, ainsi que les rushs. Un petit coup de mou, mais on repart, c'est pas grave, on repart à zéro, ça fait du bien aussi. Et du coup on va vous parler de ce qu'on a vu dans l'ouverture, hein, parce qu'à la base on a fait une ouverture qui était plutôt cool en plus. Ouais. On avait ouvert un coffret Lugarok GX, donc dedans il y avait des boosters, deux Soleil Lune, un Offensive Vapeur et un Evolution. On avait forcément eu la promo qui allait et... la Jumbo. Tout à fait. Donc Sanda vous montrera ce qu'elle a eu. Moi je vous montrerai pas ce que j'ai eu parce que j'ai rien eu du tout simplement. Moi j'ai eu des trucs trop cool. Mais vraiment trop cool en ouais, plus, vraiment. Ben pour essayer de rester un petit peu dans le même délire, j'ai deux boosters Offensive Vapeur et deux boosters Evolution. Elle choisit Gardevoir et moi j'ai Volcanion. Et du coup en Evolution j'ai pris un Dracaufeu et un Tortank parce que Dracaufeu est ton Pokémon et Tortank est le mien. Bah ça va être sympa, on va faire une petite ouverture en compensation et puis j'espère qu'elle vous plaira. Sandar va commencer tout de suite à ouvrir ses boosters et elle va vous montrer tout de suite ce qu'on a vu dans la vidéo qui n'existe plus. Qui est morte. Comme on vous l'a dit précédemment, la petite promo, le Lugarok GX, voilà. Yes, qu'on vous montre pas en jumbo parce que là, on c'est la voit très bien. Chose, hein. Elle est super belle. Alors qu'est-ce que t'as vu dans ton ouverture? Alors quand même t'as vu les deux boosters chanceux, quand t'as eu vraiment de la chance. J'avais eu la Solgaleo GX, le légendaire de Soleil. Du coup j'avais été super contente de tomber sur mon légendaire quoi. Et du coup t'avais eu quand même un truc de fou, moi j'étais très content, une carte qu'on n'avait pas. La secrète de la Team Rocket. Désolé hein, que vous l'ayez pas vu en vidéo, mais en tout cas, on tenait à vous le montrer quand même, parce que ça rentre dans la collection, comme ça vous êtes un peu au courant aussi, c'est cool. J'espère avoir autant de chance. Je suppose que tu vas garder ton évolution pour la fin, c'est oui, ça? Oui, tout à fait, le Dracaufeu à la fin. Hein. Exactement, donc je te donne ton petit Gardevoir shiny. Pyronie, Miaouz. Oh, il est trop mignon. Trop mignon. Le Démantin, Watt, In the Butt, Yama, Brésillon, l'évolution de Picrasso, l'énergie. Bah, ton évolution de Watt, hein. Tout à fait. Capidex, la double type en reverse. Alors, est-ce que tu as quelque chose, ma chère Sanda? Donc, tu as la 86 sur 114. Parce que c'est une holo. Et c'est une holo. Ah bon? Ah, je ne la voyais pas. Yeah, wow, c'est cool. Trioxydre. Sympa. Allez. Bon, bah, bravo, Sanda. Pour le duel, déjà, une petite holo, c'est bien. Une holo, c'est bien. Bravo à toi. Je ouvre mon deuxième booster, Evolution. Oui. Bon, Evolution, voilà. On se le cache pas, on aime beaucoup. Parce que, comme on est sur de la réédition de Wizard, et puis il y a des secrets vraiment cool. Alors là, j'ai jamais vu ça. Elle nous a ouvert ça en mode j'enlève le plastique, mais le booster reste fermé. Mais comment t'as fait ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Ah, le petit Magikarp qui fait. Gros bisous à l'aise. Ah, magnifique. Chenipan, Fantominus. Bon, on va arrêter de faire des coucou à Isnor parce qu'on va pas y arriver. Topiqueur. Ah, l'espirituel Tortank. Il me semble que tu l'as quand même. Je crois, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, celui-là, je l'ai. Le Combat. L'énergie combat en reverse. C'est plutôt cool. It's Raining Men, alléluia, It's Raining Men. Ça pue la foule art à 102 sur 108. Je sais pas ce que c'est. T'as de la chatte, c'est un truc de fou. Le méga Tortank X. C'est mon Pokémon, mais bravo. Trop cool. Mais what? Mais comment tu fais? Ah bah je sais pas, parce que d'habitude j'ai pas de chance, mais là j'ai... Bah tu plaisantes, ça fait deux coups de suite, alors vous l'avez pas vu en vidéo forcément, mais vous avez vu ce qu'elle a eu quoi. Et là elle a un méga Tortank X quoi, c'est encore mieux. Cool, il est trop oh beau. Oh là là, elle est magnifique, faut que je la mette sous prochaine. J'adore le relief des foulards comme ça. Yeah. Et bah écoute, bravo à toi, c'est vraiment cool. Cette carte, je suis très content de la rentrer dans la collection, je ne l'avrais vraiment pas. En plus là elle est neuve, donc c'est cool. Nous qui achetons du vide-grenier, on n'a pas forcément beaucoup de neuf, sauf quand on fait des ouvertures, donc on est content. Et puis du coup, bah ça va être à moi d'ouvrir. Ouais, et bah je te souhaite autant de chance que moi. J'aimerais bien. Bon, et bah c'est parti, les kiki. Je vais garder aussi mon Tortank du coup pour la fin parce que c'est l'évolution. Tu te trouves, t'auras un Dracaufeu? Dracaufeu full art. Alors, un petit Tarinor pour commencer qui est une de mes illustrations préférées d'Offensive Vapeur. Le petit finisseur Solochi. Onita. Maril, sympa. Dinoclier, cool. Lien spirituel Stylix. Ah, bah y'a que des liens spirituels. Le petit l'énergie. Qu'on a eu aussi. Exactement. J'ai une turbo rouge. Mais pourquoi?
Donc la turbo, on vous rappelle qu'à la place de la reverse. Mais what? Mais on a des ultras mais de ouf qui tournent pas. Attends, mais ça vaut vraiment le coup de la refaire cette ouverture, hein, sans déconner. Est-ce que j'ai quelque chose derrière juste pour voir? Non, la 62 sur 114 qui est Spiriton qui n'est pas une O. En plus, Yveltal qui est le légendaire de Y. C'est vraiment cool, je suis très 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 content. Bon bah, Yveltal turbo. Donc là pour l'instant, t'as carrément gagné parce que t'as une full art. Bah, t'es bien parti. Oui, oui, oui. Et la turbo vaut un peu plus qu'une O, mais toi ta full art elle vaut plus que tout. Bah, ça se trouve, tu vas avoir une full art. Ou une secrète. Ou une secrète. Oh la vache, ce serait bien. Le petit ratata, tatatata, comme dirait Sandar, bien sûr. Le petit topiqueur qui fait plaisir. Fantominus, bon bah on arrête, hein. Voilà. Chenipan, la petite énergie électrique. Oh, une secrète qui tombe, hein. Mais c'est quoi cette vidéo? 4 boosters, une full art, une holo, une turbo et une secrète. Bon bah le Pikachu volant que je n'avais pas, qui est une secrète que je rêvais d'avoir depuis très longtemps. Donc, on ira avec mon Pikachu Surfer de je ne sais plus quelle extension, mais un truc genre platine ou un truc comme ça, je ne sais plus. Pikachu Surfer d'ailleurs qui existe, hein, en évolution, mais je ne l'ai pas. Le petit Spectrum, plutôt cool. La 79, non, on n'est pas encore sur la reverse. Reverse, l'entretien, donc en fait on a la même carte qui suit en reverse, c'est assez rare. C'est quoi cette ouverture de thug? La 26 sur 108, je sais pas si je l'ai. Ah, Plagados S, je l'ai, mais je l'ai acheté en vide-grenier en état dégueulasse. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Donc là, on l'a en... Mais what? C'est une ex, mais c'est pas une full art. C'est une ex, mais c'est pas une full art. Mais c'est une ex, mais c'est pas une full art. Mais c'est une ex, mais c'est pas une full art. Je vais vous faire un petit récap, et là, ça va être vraiment très dur pour vous de nous départager. Sandar a eu une holo. C'est vraiment cool, la petite holo, ça fait toujours plaisir. Et elle a surtout eu le Mega Tortank X full art. C'est magnifique. C'est une carte dont je rêvais forcément. J'ai la Mega Tortank X pas full art, d'ailleurs, je suis très content du coup de rentrer celle-là, elle est encore plus belle la position, hein, de trois quarts d'eau comme ça qui se retourne, hein, ouais. Elle est magnifique avec le japonais. Mais du coup, on pourrait dire avec une full art, elle gagne easy. Parce que moi, j'ai eu effectivement une ex, pas full art, donc ça vaut beaucoup moins. Mais j'ai eu aussi une turbo, la Yveltal turbo. Et j'ai eu aussi une secrète, la Pikachu volant. Personnellement, je pense que j'ai gagné. Oui. Parce qu'une secrète, pour moi, même si elle vaut pas très cher forcément celle-là, j'en sais rien, ça reste une secrète quoi, c'est cool. Donc vous votez pour nous dire forcément qui a gagné dans cette vidéo-là. Ouais, sans rajouter les trucs de la semaine dernière, sinon c'est trop facile. Moi, je suis deg, sinon, alors voilà. Mais en tout cas, bah, on est super content. Je suis refait. On a vraiment eu de la chance, c'est Saran qui a choisi les boosters. T'as la main heureuse. Verte, on peut dire la main verte, c'est-à-dire que je cultive des cartes Pokémon. J'ai la main verte. J'espère que ça vous a plu, en tout cas on se retrouve demain pour le vide-grenier. Ouais. Voilà. La prochaine ouverture, ce sera la semaine prochaine. On vous fait plein de gros bisous, à plus les gens. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne, ça nous fait très plaisir. Laissez un gros pouce bleu comme ses lèvres. En tout cas, sur ce, à très bientôt et n'oubliez pas, sortez couverts. Mettez des ultra pros.